Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Reconstruire sa vie. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bah, nous ça va. On est un peu dans la ramasse. Enfin, on avait créé notre petite chambre. Enfin, donc ça donne ça, hein. On a un petit cube qui vient de se rajouter à la salle de bain. Donc c'est super cool, je trouve. Du coup, nous, bah voilà, vu qu'on a créé ça, notre bonhomme a eu sa promotion en prime et bah là, il est en vacances pendant 3 jours. Du coup, ça va me permettre d'augmenter enfin d'avoir la promotion avec sa nouvelle compagne, hein, qu'il vient d'avoir. Donc, ils sont pas encore mariés, je tiens à le rappeler, ils sont juste en couple et en ménage ensemble. La petite qui vient, alors je sais pas ce qu'elle veut, je crois qu'elle pue. Du coup, on va demander à la sœur de se réveiller. Oui, je casse le sommeil de la sœur et elle va donner un bain à Hélène. Non, 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 toi tu as besoin de sommeil. Tu viens dormir. Tu viens dormir. Elle est venue la réveiller, donc voilà. En fait, je trouve ça intéressant comme challenge parce que ouais, on monte petit à petit la maison. Enfin, c'est là qu'on peut se donner aussi des idées, vous voyez, de création. Bon là, j'ai agencé ça comme un barbare, hein, mais bon. Écoutez, hein, on a déjà 2 salles, on va pas se priver de ça. Par contre, oui, donc elle travaille à partir de quelle heure? Bah, elle est en vacances aussi! Mais c'est bien ça! Tout le monde est en vacances. Bah, du coup, on va augmenter les compétences, on va en profiter parce que c'est vrai que généralement on n'a pas trop le temps et là on va pouvoir remonter les besoins hop, comme on le souhaite. Voilà. C'est tranquille. Donc là on va manger. On va prendre un petit déjeuner. Ouais, je crois qu'elle va se servir. Non, on va pas se servir toute seule. Alors, on va prendre un petit déjeuner rapide. On va prendre des céréales, s'il te plaît. Est-ce que le livre, je l'ai en ma possession? Non, on a dû le ranger. C'est pas grave. Mange, 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 mange. Les cours commencent bientôt. Est-ce qu'elle a bientôt faim, la petite? Non, bah ça, c'est parfait. Hein, on est encore une fois dans un schéma plutôt tranquille. Donc, on va la cuisine. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Le niveau 2, donc on est à moitié, mi-level du niveau 2. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va essayer de préparer à manger. Et ouais, normalement, elle aura sa promotion. Donc là, elle est niveau 2. Donc on passera à niveau 3, on aura des sous qui vont arriver par la même occasion. Alors moi, je trouve ça plutôt cool, pour être honnête. Alors la porte, peut-être que je la changerai. Je ferai peut-être une porte pour aller direct dans la salle de bain de la chambre, hein, encore. Pour l'instant, on va essayer de simplifier la chose chez nos Sims. Pour l'instant, elle va y dormir. Parce que, bah, elle est déjà fatiguée. What? Ah, c'est la convention geek qui commence. J'ai eu peur. C'est quoi cette musique, quoi? Ah non, sérieux. Ta 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 ta. Et ça, tu vas pouvoir le ranger. C'est un peu le boxon. Vous avez 24 heures pour payer les factures ou on vous coupe le courant. Bah écoute, coupe le courant, hein, c'est pas trop grave. Non mais si c'est grave en fait, parce qu'en plus, ce que je vais faire c'est que ça c'est pas une très bonne idée en fait ce que j'ai fait. Du coup je vais le revendre et on va bien entendu payer les factures. On va pas... Voilà, malheureusement. Il reste 157 simflouz, c'est l'arpanix. Mais c'est vrai que ouais, bah ouais, je sais pas comment on va gérer la chose, là surtout que c'est le week-end pour 3 jours. Et j'espère qu'il a fait ses devoirs, le petit James. En tout cas, il faut vite fait que je m'attaque à une télé. Ah, j'ai pas lu, attendez, c'était quoi apparemment? James a un petit problème avec l'alphabet, il n'arrive pas à aller au-delà du A. Bravo. Donc logiquement, là j'ai eu un A, ça me fait normalement des points. Mais de toute façon, ce que je ferai, c'est que... Non, bah, déjà on va faire ça. C'est que je referai de toute façon un visionnage de toutes mes vidéos. Hein. Je vais pas vous le cacher. Puis je recompterai les points. Ça va me prendre du boulot, mais bon, bah, j'ai pas trop le choix. Non mais James, tu peux aller dormir. Surtout que là, ça fait des points, hein, des points. Et à la fin, bah, il faudra bien qu'on les a, les points. Bon, après, bon, c'est que des points. Hein. Je pense que là, je suis bon. J'ai pas fait trop de fautes. C'est vrai que j'aimerais bien ouais, savoir mon score final quoi à combien j'ai pu aller. Voilà, donc là on monte tranquillement. La 175 Simflouz, ça va être chaud pour faire quoi que ce soit là. Mais ce qu'elle peut faire,
C'est que là, on va faire, en fait, on va préparer à manger. Parce que, bah voilà, il nous en faut. Donc, on va servir le dîner. On va faire des tacos au poisson. N'est pas vendredi, on est mardi, mais c'est pas trop grave. De toute façon, on doit préparer quelque chose. Donc, voilà. Et de toute façon, c'est pour sa formation aussi future. Alors, je trouve ça normal. Voilà. Qu'elle prenne une assiette ou pas. La petite, elle va bientôt avoir faim. Donc, écoutez, je vais mettre le plat par terre. On va la réveiller pour qu'elle mange. Voilà, prendre une portion. Bon, elle va être déjà en colère, la chatte. D'ailleurs, elle grandit dans combien de temps, là? J'aimerais bien savoir. Parce que. Ouais, ben, dans 15 jours, quoi. Dans 15 jours, elle devient une adolescente. Donc, on a encore vraiment le temps de voir. Pourtant, je suis en mode normal. Mon petit James. Petit James, tu viens prendre une portion, s'il te plaît? On va s'attaquer un peu à toi, à tes devoirs, là. De toute façon, parce que là, tu vas devoir travailler. T'as encore ton projet. Non, il veut pas. Mais, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer avec ton téléphone. Et voilà, hein, on va s'attaquer comme ça. Lui, il est déjà programmé pour jouer. Le père Bluette, il va se lever. Il va prendre une portion. Va prendre une portion. Hey, viens. Voilà. Mange un petit peu. Non mais mange, je t'ai pas dit de te bécoter. Oh! Bah ça, voilà, je vais le ranger. Mon frigo. Et de toute façon, il va réparer le lévier. Parce que là, de toute façon, on n'a pas de sous pour faire appel à un plombier. Meilleure créature du vide. J'ai une dispute. C'est l'anticorps, bien sûr, influence du contrôle des émotions. Sais pas si j'ai bien fait. Je vais aller voir un peu son... Bon, s'il y a des choses qu'on a déjà eues, c'est pour ça que je ne l'ai pas relu, hein, parce que c'était... Ouais, l'empathie, les relations au conflit. Il a une responsabilité, le petit, j'aime bien. Et ça commence à monter, on a juste l'empathie qui est dans le rouge. Mais bon, que voulez-vous? On peut pas tout avoir dans la vie. Donc maintenant que tu as lu, toi, tu vas faire tes devoirs, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lu? La distraction, l'hygiène. Elle est mal à l'aise parce que c'est l'odeur. Alors viens jeter. Viens jeter ça, de toute façon ça on peut pas les essuyer, c'est dommage. Bon, heureusement ça s'évapore, il me semble. Voilà. Tranquille et détendu. Nettoie. Voilà. Tout, 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 tout. Mais oui, normalement j'ai pas le tout ce qui est de l'inventaire foyer. Je vais voir si j'ai pas gagné un truc avec la promo. Là j'ai des meubles. Ça je sais plus si je l'avais utilisé ou pas. Parce que ça, je voudrais bien les revendre, mais c'est triché. Voilà, c'est triché. Clairement. Devoir terminé. Ok, lui, il a terminé ses devoirs. C'est parfait, les amis. Donc, tu vas, voilà, te rejouer un petit peu. On monte ta distraction. Vous achèterez peut-être une télé avec la promotion. Viens dormir, maintenant. T'as fini tes devoirs, c'est le principal. Lui, il a besoin d'aller aux toilettes. Il y a encore des gens qui se baladent la nuit. Alors, hop, faire crac-crac avec Dina. Bah oui, ils vont s'amuser un petit peu. C'est plus puissant que le livre ou la télé. Enfin, normalement, voilà. C'est bien ce que je disais. C'est plus puissant. Et voilà, on va pouvoir se calmer un petit peu. Viens donner un bain à... au petit bébé. Ah, mais elle était dedans. Je pensais que j'aurais eu le temps, mais non. Voilà, là on a le temps. Ah non, elle a tout recassé. Vous inquiétez pas pour moi, je répare. Elle va essuyer, bien sûr. Petit bébé, attention. Ouais, on va peut-être la sociabiliser aussi parce que là, ça commence à être. C'est vrai que je la. C'est vrai que je la néglige, la petite. Je l'ai négligée.
Voilà, bah jette-moi ça, jette-moi ça. Bon, on est remonté dans le vert, c'est plutôt positif hein, dans un sens. Maintenant, ce qui ne l'est moins, c'est juste que voilà, on est au dernier jour de vacances, tout du moins pour elle. Donc demain elle travaille. De toute façon, je pense qu'on va essayer de la maintenir à flot. Elle est où? Voilà, on va la maintenir à flot et comme ça jouer dans le bain. What the fuck? C'est quoi jouer dans le bain? Oh, je s'éclate comme ça. Il manque plus que le petit canard et c'est bon. Bah écoutez, c'est une façon ou une autre de jouer. D'augmenter la distraction. Ah ouais, donc demain. Ouais, donc ça, c'est toute une journée. Je pense que je ferai une petite ellipse, les amis. Ok, elle a la faim. Bon, c'est pas trop grave, elle va pouvoir manger. Oui, tu as faim. Attends, laisse-moi. Voilà. Viens, viens chercher. Voilà. Allez, mange maintenant. Parce que j'ai rien pour l'amuser en fait. On pourrait peut-être lui acheter un petit coffret avec la promo. Ah, personne ne s'intéresse à lui. Bah voilà, c'est augmenté. Allez, on va aller au dodo. Bon, en fait, non, on va plutôt la réveiller. Et remettre ça dans le frigo. Voilà. Moi, je te propose déjà d'apprendre les. La mixologie en fait, parce que c'est ce qu'ils vont nous redemander. Mais qui a le livre? Qui a ce foutu livre de la mixologie? Ça, ils ont tout le monde l'embarque. Alors du coup, bah voilà, maintenant il est perdu quelque part. Ouais, fait de l'exercice. Non, soin du bambin. Ah, je peux l'adopter. Et désormais une gardienne d'Hélène. Cela signifie qu'elle veillera régulièrement à ça. Ah, mais c'est trop cool. Voilà. On a adopté le bébé comme ça. Du coup, lui, il est tout content. Il est venu lui faire un bisou. Ah, oh, c'est juste énorme ça. Petite découverte au passage. Comme quoi, on en apprend tous les jours. C'est vrai qu'en fait, il y a un autre point que j'ai zappé. Les amis. C'est qu'en fait, on n'a pas de peau pour bébé. Hein. Du coup, pour ses besoins, c'est un peu la mouise. Donc écoutez, je vais le mettre dans le secteur ici. Voilà. Dina, tu vas apprendre à Hélène à aller sur le pot. Voilà, c'est exactement ce qui me manquait. Après la compétence pot. C'est plutôt pas mal. Mais moi je me souviens dans les Sims 2, tout ça, enfin même 3, c'est ouais, bah à partir du 2, hein. De toute façon les voitures, quand vous aviez que vous pouviez apprendre le permis, les trucs comme ça, c'est juste énorme à l'adolescence. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était des ajouts intéressants. Là, je ne sais pas s'ils ont ça. James doit-il inviter chez lui ses camarades de classe, Jeanne? Ouais, vas-y, tu vas te sociabiliser, mon gars. Nous, de toute façon, on va dormir après. Ah, il a pété en plus. Viens prendre un bain, mon petit James. Ils sont tout cracra. Ouais, lui s'est endormi dans la salle de bain, tranquille. Attendez, Hélène, elle est dans le rouge. Comment ça se fait? Elle a besoin d'énergie. Bah, elle va dormir. Ouais, donc en termes de compétences, on a la communication, l'imagination, il reste les mouvements, on a le pot qui vient de commencer. Il y a pas mal de choses qu'on doit faire, mais qu'on n'a pas fait. Et énergie. Ouais, bah ton énergie, viens dormir dans ton livre de camp. Enfin, dans ton livre, dans ton lit de camping, pardon.
On va essayer d'aller jusqu'à la promo, hein, je vous garantis rien. De toute façon, elle commence à quelle heure en plus? À 16h, ouais, ça va être short. Hélène a faim. Non, non, non. Hélène a faim. On a dit qu'Hélène a faim. Donc on va lui donner ça à venir rechercher. Voilà. On n'a pas le choix. Voilà. On peut ranger l'assiette. Ouais, c'est une astuce comme une autre, hein, vous allez me dire. Donc elle, c'est à 16h, son transport, donc on a le temps de voir, on va remanger. Elle va servir toute seule. C'est bien. Donc les cours commencent bientôt. À Pika. Voilà. Donc là, je vais refaire une petite sieste, vous savez, histoire de combler le vide. On va réparer aussi la salle de bain. Mais c'est vraiment que je veux que ce soit parfait pour qu'elle ait sa promotion. On n'a pas fait la tâche du jour, mais bon. Et si on allait faire la tâche du jour après? C'est-à-dire qu'on va cuisiner. Et on va faire des ramen pour familial, voilà. Allez. On va faire ça, au moins la tâche se complétera. Ça fera des réserves dans le frigo. Ah. Bah écoute, t'as pas le choix mon poteau, tu vas te transformer en réparatos, réparus. Ah bah ça a même pas compté la tâche. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc nous, ces besoins, s'il vous plaît, on est au taquet. Elle va jouer avec son téléphone un peu. Ça, les électrocutions, je m'en prends très rarement, les amis. Ça, c'est clair. Il y a juste eu une histoire avec un plombier, mais c'était le plombier qui était visé, pas moi. Du coup, j'ai envie de dire... Je suis soft de ce côté-là. Rejoue, rejoue, rejoue. Ou alors viens jouer. Ouais, non, il faut être rageuse. Ben, ce que tu fais, c'est que tu prends rose. Ouais, il y a des pétales de rose dans la baignoire. On se fait un petit masque de beauté, tranquillou. Et ensuite, ben, nettoyer et utiliser. Voilà, là, 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 il le nettoie pas. Vous imaginez votre toilette devient comme ça? Alerte générale! Elle s'est endormie dans le bain. Allez, viens. Puis là, normalement, on va pouvoir prendre un bain. Pourquoi je peux pas prendre un bain? Bon, moi, ben non. C'est qu'elle se lave beaucoup, hein, là. Elle se prépare bien pour le travail. Je vous le dis. Alors, viens faire un peu de dodo. Dans 1 heure. La responsabilité de l'un n'est plus compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. What the... C'est quoi que tu es en train de me dire comme charabia? Ah. Il a perdu, je crois. Ouais, il est tendu. Mais comme j'ai pas la camplade, toi tu peux quitter le sommeil. Vu que t'as le transport qui est bientôt. Le travail, vas-y! Elle est déjà en train de le rater! Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Enfin, je sais pas. Je sais pas si on aura la promo, on verra. Les amis. Moi, je tiens pas à vous dire oui qu'on va l'avoir parce que actuellement on peut voir que c'est chaud. Donc on va travailler dur pour voir. Ouais, je pense. Je sais pas. Waouh, Dina a la chance même surchargée de la vaisselle a fonctionné. Les assiettes sont propres et Dina a désormais rattrapé son retard. Ah, ça peut être pas mal pour le.
pour la promo. Normal, on va repasser. Eh, je peux travailler. Flirter avec ses collègues. Bouh! Normalement, on a la promo. Écoutez, on va flirter un peu avec les collègues. Est-ce que ça joue sur certains collègues ou pas? Non, il n'y a pas l'air. Elle revient bientôt de toute façon. Normal. Donc, elle va se détendre un peu. Serait con. Ah non! On est en train de perdre la promo. On est en train de la perdre. Ah non, c'est pas bon. On l'a perdu. On a perdu la promo. Ah, on l'a regagné. Bon, on peut voir avec le petit symbole là. Mais maintenant, faut la garder quoi. Si je le perds là, je serais dégoûté. Il nous reste 1 heure de travail. J'espère sincèrement qu'elle va pas la perdre. S'il te plaît, ne la perds pas. Elle est tendue, mais. Je compte sur elle pour avoir cette promo. Pourquoi ça n'a pas marché? Ouais, la salade, elle est vide. On va prendre ça, c'est vide. On va prendre ça alors. Voilà, tu peux venir prendre, s'il te plaît. Bah oui, je sais que t'as très faim, ma petite pupus, mais bon, je sais bien que t'es négligé. Voilà, on a la promotion. Voilà, Dina est promue traiteur, elle gagnera désormais 10 simflouz de plus par heure, soit 26 de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus de machine à café. Alors logiquement, là, à l'heure actuelle, des choses. Oui, c'était bien ça en plus. Qu'est-ce que je fabrique? Comme bêtise. Ça, je peux la revendre. Ça, je peux. Et ça, c'est débloqué au niveau de la carrière culinaire. Alors à mon avis, ça, si, je peux bloquer. Ça, je peux revendre aussi finalement. Puisque ça fait partie des nouveautés que j'ai eues. Et j'en ai pas besoin de plus. Voilà. Et là, on n'y touche pas. Donc logiquement, là, on a assez de sous. On va conclure cette vidéo, les amis. Par quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire qu'on va reconstruire des murs. Voyez, comme ceci. Et que là-dedans, on va mettre une petite porte en plus. Je vais la mettre ici, la porte. Vous voyez? Et on va faire un petit salon dedans. Donc il nous reste. Ouais, il nous reste assez de simflouze. Donc non, franchement, je suis content. Oui, normalement, ça, j'ai le droit. Hein. J'ai le droit de le faire, ça, parce que c'est des meubles que j'ai gagnés justement il n'y a pas longtemps. Alors, on va prendre table basse, un petit meuble, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre lui en noir. On va prendre la petite télé que j'avais déjà achetée dans un épisode antérieur. Ouais, bon, on va prendre ce fauteuil-ci. Vraiment un tout petit salon que je voulais. Je voulais pas un gros truc de la mort qui tue. Parce que ça sert à rien d'avoir un grand salon. Voilà. Donc là, on aura notre petit salon. Les amis, il nous reste 444 simflouz. On a avancé aussi pour ça. Je ferai les finitions vraiment plus tard. Là, on se concentre vraiment sur ça. Donc au moins, on a le petit salon. Les gens ils vont pouvoir aller regarder la télé, s'amuser, s'éclater. On s'attaquera, je pense, aux chambres ou à la cuisine. Pour l'instant, la cuisine, elle est opérationnelle comme ça. Voilà. Bah sur ce, les amis, c'est ici que nous allons nous quitter sur cette maison qui forme un petit Z. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite. Et sur ce, portez-vous bien. Soussoul!